Deux villas modernes et 15 millions de francs CFA, c'est le dédommagement qu'a bénéficié une famille récemment déguerpie de la décharge de Mindoubé relogée à la cité de Bikélé. Seulement, il se trouve qu'un des membres, à travers une vidéo, boude la casse de l'ancien logement et nie l'occupation des logements de Bikélé. Sitôt informé, le gouverneur de la province de l'Est hier a effectué une descente pour s'imprégner de la situation. Et avec Marie-Françoise Dikoumba, Arnaud Manza, Juste Ndjana. Mireille Nzamve a assemblé les images. Ils sont venus, ils ont détruit notre maison. Ils ont tout pris. Ils ont tout gaspillé. Et maintenant, nous retrouvons à la rue. Cette récente vidéo est partagée sur les réseaux sociaux telle une traînée de poudre. Pourtant, des mois en arrière, avant la destruction de ce bâtiment, situé à la décharge de Mindoubé, le président de la transition effectuait une descente auprès de cette famille tout en promettant un relogement et la somme de 15 millions de francs CFA en présence du jeune homme en question, membre de la dite famille. Au lieu de vous donner une maison, ils en ont donné une, je veux payer encore la deuxième maison avec les 15 millions. Je pense que ça, on est dans l'équité. De la parole à l'acte, la famille de Dame Félicité est effectivement relogée en Nzong Bikélé. En témoignent ces villas 130 et 82 occupées par ces derniers, des habitations au standing moderne. Nous sommes ici à la cité SNI, donc Bikélé, pour vous montrer les maisons qui ont été gracieusement offertes à Madame Ndé Otsage Félicité et sa famille à la suite de la vidéo devenue virale au cours de laquelle l'un de ses fils affirmait que la famille avait été mise à la rue. Alors, comment justifier cette sortie hasardeuse plusieurs mois après l'occupation de ces logements? Je vous présente la deuxième maison qui a été attribuée à Madame Ndé Otsage Félicité. Comme je vous disais tantôt, elle a bel et bien reçu deux maisons. C'est donc pour éclairer l'opinion que la première autorité de la province de l'Estuaire a effectué cette descente et promet des poursuites judiciaires si cette rafale de propos jugée diffamatoire persistait. Et d'ailleurs, nous apprenons d'une source que Dame Félicité Nzé aurait acheté un autre terrain à Mindoubé dans les 15 millions reçus. Apparemment, elle ne souhaite pas se défaire de son ancien quartier. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez ce que disent les sages ce soir. Ne vous croyez pas trop supérieur aux autres. Les circonstances de la vie peuvent vous surprendre. À demain 20h.